Président Hennechi est visiblement rassuré par ce succès en Grèce. Écoutez, c'est tout à fait normal. Remporter une victoire, c'est 3 points. C'est surtout que après la Coupe d'Afrique, on est plongé, comme disait une certaine presse, où ça va pas à la JSK. C'est tout à fait normal lorsqu'il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, on a réalisé un beau score et on pouvait marquer beaucoup plus, mais il faut se contenter de ce résultat et travailler. Et pour reprendre la JSK, la place de la JSK. On disait que Guéguerre jouait sur ce match. Non, pas du tout. Je crois que des gens parlent, ils disent n'importe quoi. Moi, j'ai jamais déclaré sur Guéguerre. C'est un entraîneur qui a un passage à vide comme les joueurs en Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le déclic pour l'avenir. Et j'espère qu'on fera plaisir aux supporters. Confiance renouvelée à Guéguerre. J'ai pas enlevé la confiance pour que je lui maintienne la confiance. Il est chez moi. Il n'y a aucun problème avec Guéguerre. Pourvu qu'il s'entende avec son adjoint, il forme l'équipe ensemble. Et comme ça, on est rassuré. Et il y a Rachid Adrer qui va rejoindre l'équipe senior avec Karim Doudan. Et il y a des gens qui parlent, Karim Doudan est parti. Karim Doudan est toujours président de section. Rachid Adrer va rejoindre l'équipe. Et d'autres anciens joueurs vont rejoindre l'équipe de la JSK. La question d'actualité, vous êtes présenté devant la Ligue nationale cette semaine, président. Écoutez, je me suis présenté. D'ailleurs, je trouve pas les mots à dire lorsque je lis dans la presse ce qu'on a dit à la commission de discipline. La commission de discipline nous a convoqués. Il y a certains points. On a répondu comme j'ai parlé à la presse et comme j'ai parlé à la conférence de presse. J'ai pas enlevé une virgule, j'ai pas ajouté une virgule. Et à la commission de discipline de décider. Nous à la JSK, une chose est sûre, je n'ai pas menti et je n'ai dit que la vérité. Voilà. Monsieur Guéguerre, on peut dire que le moral de la JSK est revenu jouer avec cette large victoire 3-0. Oui, non, mais disons qu'on avait un match important aujourd'hui, et puis c'était un match à 3 points comme les autres matchs, mais comme on avait eu de la peine à gagner à domicile les 2 derniers matchs qu'on a fait ici face à Schleff et à CRB, on est content d'avoir gagné aujourd'hui largement. La JSK, Géroudien, a raté beaucoup d'occasions, leur score aurait pu être plus haut. Oui, normalement, ça aurait été un match à 5 buts, il y avait de la place pour marquer des buts, mais bon, on est content, on a pris les 3 points, et puis... on s'est rassuré pour la suite. On a senti les joueurs, on les a vus souriants, on peut dire que le moral est revenu. Eh, mais bon, le moral, vous savez, on n'est qu'à 4 points en dessous de ce qu'on devrait faire. Hein. On n'est pas tellement loin, on a 15 points aujourd'hui. Peut-être que le maximum qu'on aurait pu faire, c'est peut-être 18-19 points. Donc, on n'est pas très loin de la marche à suivre. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que Je vous ai déjà expliqué que nous, on est à 17 matchs à partir du 15 juillet. On n'est pas, comme certaines équipes, à 8-9 matchs de championnat parce qu'on a eu une grosse compétition avant. Je crois que là, on est en train de digérer. Et puis, aujourd'hui, on a montré qu'on allait revenir dans ce championnat. On peut parler d'un sursaut d'orgueil, coach? Ouais, si on veut trouver des mots et puis remplir les pages. Mais disons qu'il y a une bonne réaction, on a fait un bon football. Ce que je retiens, c'est qu'on a fait un bon football. On a pu marquer plus de buts parce qu'il y avait des choses qui étaient tout à fait claires pour marquer et qu'on n'a pas marqué. Donc, l'essentiel, c'était les 3 points, il y a eu la manière. C'est bien pour avoir de la tranquillité pour la suite. Rassuré par ce résultat. Ah ouais, parce que c'est une prise de tête, hein, quand vous n'arrivez pas à gagner à la maison, c'est énorme. Les journaux, ils font vendre du papier. De toute manière, ce qui est important, c'est surtout de faire les 3 points, de gagner à la maison. Les journaux qui disaient, on disait que Guéguerre jouait sa tête aujourd'hui, alors que votre président dit qu'aujourd'hui, jamais l'idée de ne séparer M. Guéguerre nous a effleuré. Bah, vous savez, on a, avec le président, depuis que je suis là, depuis que je l'ai rencontré aujourd'hui, on n'a jamais un autre regard, jamais un mot
différent de la Lune qu'on a depuis que je suis là. Jamais j'ai eu le sentiment aujourd'hui que ça allait être mon dernier match. Il y a beaucoup de spéculations de la part des médias. On continue, non, on me parle plus de match, on me pose toujours cette question. Je crois qu'elle est déplacée parce que si on prend mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, il y a de la reconstruction tout à faire à la GSK. Je crois qu'il y a des turbulences, mais ça passe par là, ça passe par moi aussi un peu plus difficile. On a eu des grands moments. Il ne faut pas oublier que ces émotions qu'on a eues aussi en championnat, personne n'arrive à comprendre que pour nous, ça a été des choses très très fortes. Des émotions très très fortes qu'on a échangées. Et c'est normal qu'aujourd'hui, à un moment donné, on doit recharger un petit peu les batteries. Et le football, c'est la spontanéité. Si vous avez un peu moins de batterie, un peu moins d'énergie, automatiquement, vous êtes moins bon. Et ce recul, c'est un passage à faire. Espérons que ce match-là nous enlève complètement les doutes, qu'on puisse aller à Saïda, où c'est très difficile là-bas, faire un bon résultat à Saïda. Merci, M. Salah, à ceux qui plaisent à Roulèche, c'est bien qu'on est farhan, ou avec moi, les gars, c'est bien. C'est un match, il fallait qu'on ait passé, si on n'a pas le choix, avec un mauvais départ, je suis là. Et c'est un match qui est essayé, je vais penser à l'autre match, oublier le match hier, penser le match en Kaïda, et Inch'Allah, c'est le dimanche. يعني ولا سير اللي هو راه شكون انت شك زعما نبغي لا يغد سير اللي بغيو جينا عندنا بعدك عندنا فهمت شارب شكون ولا كل احسن اكثر اللي بغيت كيف لنا قبل ما كنت بطريق شويه زعما انا كنت موتيفي زعما طلعت زعما ما نحقش مع الشامبيونات في كان في ديفيزيون ولا فاتيك زعما انا بغيت غاش نلعب فان ماتش فان ماتش نلعب كنت بطريق مع الشامبيونات في كان في ديفيزيون جوه الحمد لله سي نربح نبين بليكم انا دي بون جوار مام جوار مام سالي زاتي كوناك نمشين باش نتقى ماركين ثلاثة واش ماركين ما ديفونس في مون كيسوان يعني ولا لي جوار تصفى وصقل انا مع لي ديريجون انا الوقت هذوك حنا لا جيات كذا قال لي بالتيار شغل تنصح جا في فيكتوار توجور زاوية جلس معاهم خسر توجور زاوية تنقع في On peut se faire gagner, mais c'est, الحمد لله, on a rebâché, on a fait un bon départ.